Et eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur UFC 2, j'espère que vous allez bien, on est présent pour l'épisode numéro 3 du Let's Play. Allons-y, suite de la carrière, toujours avec notre crâne luisant. On est reparti les amis pour la suite, les aléas du sport. Qu'est-ce que c'est? Boost positif, l'équipe de votre coach de lutte s'agrandit, de nouvelles têtes vous aideront à améliorer vos compétences, les entraînements en clinch seront plus efficaces. Et ça c'est bien, parce que c'est pas un domaine où on excelle, surtout dans les tag down, donc justement on avait vu qu'on avait à peine 50 hein, le coup d'avant, donc on y va. Alors cette fois-ci, offre de combat, donc du coup, carte préliminaire, pour l'instant apparemment, donc on a quoi? On a du Brian Barboza, style Jujitsu, oh non du Jujitsu, j'avais mon prof de maths qui faisait du Jujitsu, mon dieu, un boxeur, et enfin un boxeur, d'accord, deux boxeurs. Eh bien écoutez, on va se battre contre le fameux Jujitsu, et vous allez voir, à mon avis, ça va être compliqué, et on gagne à chaque fois 1000 fans potentiels, d'accord. Eh bien écoutez, on y va, on va prendre ce fameux combattant de Jujitsu, hein, tout simplement. Alors je sais les amis que je ne suis pas le plus connaisseur hein, en termes dans le jeu, en fait je ne suis pas le plus connaisseur, mais sachez que je m'éclate et moi en fait je le fais pour m'éclater. Alors on va tenter du coup le clinch vu qu'on m'a dit que ça marchait mieux, donc on va en profiter pour le takedown. Voilà, vu que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore très très bien comme je vous le disais, donc on va se passer. Ouh, René chance blessure bas. Et si on tentait en difficile? Allez, on l'a encore jamais tenté, on a eu le rang A dans le facile et moyen, ce serait juste énorme. Allez go, prends le direct. Oh, il m'a empêché, le salaud. Vas-y le salaud, il est plus fort je crois en difficile, oui il est plus fort à avoir j'ai l'impression. Ok, relève-toi vite, relève-toi vite. Putain là franchement si j'ai les 4 je suis complètement refait. Allez prends-le, prends-le, c'est bien, il m'a attaqué juste avant, on doit pouvoir le mettre au sol, bien joué. Très bien, et on est bien parti là, et on est bien, vas-y lâche-moi un petit peu, lâche-moi la grappe. Allez on tourne un petit peu, et hop vas-y prends-le, prends-le. Vas-y tu vas y arriver le troisième, oui c'est bon, on a déjà 3, sors vite, on... il reste 10 secondes, vas-y sors vite. Ça bug, il veut pas nous laisser sortir, c'est un peu dommage, vas-y je pense pas qu'on aura le temps, là si on tente direct après, allez, tente direct le petit dernier, on l'a eu, c'est bon, on a eu les 400. Ah et donc en difficile c'est bien ce que je pensais, à l'épisode précédent fallait avoir les 500, bon c'est déjà bien, une note de B franchement si j'avais eu ça à l'école tout le temps j'aurais été content, même si bon en France c'est pas vraiment la notation par les lettres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Allez 54, oh 54, trop bien, ok et c'est énorme. Eh bien écoutez on va continuer avec le clinch hein. Attendez, on va continuer avec le takedown, c'est même pire que ça. On va faire quoi? On va faire... ah voilà, là on passe en moyen maintenant. Donc les amis, on va se tenter le moyen du coup. Voilà, on va faire augmenter l'aspect takedown. Encore une fois, on veut s'améliorer dans ce domaine. Et on y arrivera. Allez, prends-le, prends-lui la jambe. Au sol, très bien. On ressort vite. Faut lui en faire 4 pour avoir la note de A. Allez, go. Prends-lui, allez, je suis un petit peu en retard là. J'ai pris un petit peu de retard, le deuxième. Je sais pas du tout si on en aura 4, hein. Déjà si on en a 3 c'est bien. Allez, hop, tourne un peu autour du pot. Non, c'est loupé un petit peu, vas-y. Ah mais il s'en va, le méchant. C'est bon, on va en avoir que 3, dommage. Dommage, je n'aurais bien aimé en avoir 4. Même si on gagne un petit peu de temps supplémentaire. Mais là, regardez, on n'arrive pas à redescendre. Ah mais arrêtez de vous faire des mamours, je sais pas, ça sert à rien. Putain, relèvement. Ah il voulait pas que je me relève, c'est pas grave. Voilà, il s'est pas relevé automatiquement, il m'a empêché de me relever. Ça fait du 300, c'est pas grave. J'aurais bien aimé avoir A, surtout que je l'avais déjà eu auparavant. Et c'est un peu dommage. Ok, bon, quand même une bonne chose. De fait, on est à 58, ça augmente énormément. Allez, regardez, c'est une folie. Regardez, c'est une folie, c'est vrai, ce plus en termes de clinch. Regardez-moi ça. Franchement, on est à 58 déjà. On va encore faire mieux là. Je vais continuer avec ça, parce que vraiment... Alors, on prend pas de risque, on met en facile. Pour avoir déjà toute la réussite. Bon, et deuxièmement, pour ne pas avoir de blessure après pour le combat, ce qui serait vraiment un petit peu endommageant. Alors en tout cas, je suis content vraiment des retours sur la série, même si forcément je sais très bien que j'ai été connu à la base pour de la simulation. Bah écoutez, c'est un petit peu de la simulation sportive en fait. Enfin, c'est de la simulation... Putain, viens par là. C'est de la simulation sportive, hein, vu qu'on est sur du de l'UFC, du MMA, donc logiquement voilà quoi, c'est bien. Allez, et 200, allez au moins un troisième, je refuse d'en faire que deux, au moins un troisième et si possible d'en avoir un quatrième, ce sera encore mieux. Allez, temps supplémentaire, relève-toi vite, oh je sens bien le quatrième, il va être chaud quand même, il est mort, le quatrième on l'aura pas le quatrième, ah dommage, on n'a pas eu le quatrième, je suis déçu, c'est pas grave.
Ah écoutez, on a eu 3. Ah mais si je suis con, on est en facile. Putain mais je stresse pour rien. Eh oui c'est ça aussi, j'ai un trait de caractère les amis, c'est que je stresse super vite quand j'arrive pas à faire quelque chose. Ça me fout dans l'embarras. Ok, on est à 60 au niveau des takedowns. Waouh, comme on a évolué. Attendez, on était à 69, on est à 70, bah direct, bah ouais. Tu m'étonnes, regardez, on est à 77 debout, 70 en clinch et 57 au sol. Donc c'est vrai que maintenant notre point faible c'est le sol hein. Je vous l'ai dit, dès qu'on se retrouve contre quelqu'un, bah peut-être le jujitsu ça va être compliqué. Peut-être d'ailleurs que le jujitsu ça va être chaud. On verra bien. Ok, alors oui, je voulais voir un truc. Est-ce que au niveau des mouvements je pouvais modifier justement? Ça aurait été intéressant. Jab niveau 1. Ah mais attends, on peut augmenter? C'est quoi ce délire? Attends, jab sec, ça veut dire quoi? Ah non, c'est moi qui sélectionne. Attends, je crois que c'est moi qui sélectionne. Oui. Eh non, regardez, on peut vraiment augmenter. Donc coup en endurance moins 5%, modification des dégâts de base plus 3%. Et oui, regardez, on peut augmenter. Donc là, j'ai pas de point d'évolution. Je pense qu'on va nous présenter cette option-là dans la suite du jeu. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de possibilité. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Alors, on a le jab sec ou le jab normal. Tu vois? Ou le backfist bondissant. Qu'est-ce que c'est? J'aime pas trop ça. Par contre, j'aime bien le jab sec. Non, bah, je vais le laisser comme ça habituellement. Le coup de poing, ok. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah d'accord, on peut vraiment personnaliser comme on veut. Ça c'est bien, je pense que je le ferai les amis. Vous savez quoi, ça je pense que je le ferai. Donc entre deux épisodes, entre cet épisode et le prochain peut-être. Voilà, ça peut être sympa parce que bon, vous montrer ça après c'est pas trop super. Et je vous dirai un petit peu en combat ce que j'ai changé. Allez, on va passer au combat justement. Parlons de combat, on y va, c'est parti. On va envoyer du Steakwood. Ça ne veut rien dire, mais j'aime bien. Alors attention, carte de combat toujours. On a les combats à Las Vegas, on est à Las Vegas toujours au MGM Grand, donc c'était le lieu qu'on avait eu à la finale. Donc là, nous on est en bas contre Barboza. On y va, on poursuit. On est chaud patate. Alors, on a un kit de combat, d'accord. Extérieur national, domicile national, d'accord. Je vois, bah écoutez, on va rester en extérieur. Voilà, on va rester en extérieur. Je sais même pas si on a un extérieur ou pas. Le mec qui sait rien, mon dieu. Allez, on y va. Et je vous rappelle que maintenant, ce sont entre guillemets des vrais combats. J'espère que ce sont des vrais combats. Et que véritablement, il y aura toujours un commentary un petit peu, le commentateur. Même si, bon, le commentateur français aurait pu être meilleur. Hein, la voix off aurait pu être mieux. Mais c'est déjà sympa. Ça me donne une petite ambiance. Et maintenant, un combat dans la catégorie des heavyweight entre Lights Out et Magic Man. Toujours en catégorie poids lourd avec Galaxou et Barbossa. Magic Man entre dans l'arène et semble prêt pour son combat. Tom, tom, tom. Voici un exemple parfait de ce que peut être un fighter de MMA. Pas de style spécifique, mais une connaissance de tous les domaines importants. Lutte, JJB, boxe. Avec ce genre de profil, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Magic Man qui fait son entrée dans l'octogone. Lights Out s'apprête à rentrer dans l'octogone. Face à un tel spécialiste de la soumission, son adversaire va devoir tout faire pour éviter le combat au sol. En effet, peu de combattants possèdent un tel niveau en matière de soumission. Et avec lui, tout peut aller très vite. Et voici les données de ce combat poids lourd. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds of the UFC Heavyweight Division. A mixed martial artist running a professional record out. One win, no losses. He stands 63 inches tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Paris, France, Magic Man. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A jiu-jitsu fighter, holding a professional record out. 6 wins, 1 loss. He stands 65 inches tall, weighing in at 243 pounds. Fighting out of São Paulo, Brazil, Lights Out!
Là, je commence à avoir peur parce que c'est du jiu-jitsu. J'ai entendu parler de ce sport et je sais que c'est du coup beaucoup de technique. Et c'est Steve Lavigne qui sera l'arbitre de ce combat. Allez, c'est parti pour le premier round de ce combat. Donc attention de ne pas, les amis, se faire amener au sol. Chose principale. Pour l'affrontement de ce soir. Allez, tranquille. Tranquille. Et ça ne touche pas. Attention, oula, il commence bien, là il est en train de mettre beaucoup de dégâts à la jambe. Je commence à avoir peur, il a l'air relativement puissant. On est dans des vrais combats. Oh putain, ce qui m'a mis à la tête. Moi aussi j'en ai mis, bien joué. Faire attention avec lui à la soumission avec Barboza, du coup c'est du jujitsu. Spécialiste du jujitsu, moi c'est plutôt la boxe. Aïe, le corps, attention. Aïe. Coup dans le vide, c'est pas bon. Ah, 4 coups dans le vide, mais c'est pas bon du tout ça. Ok, on est mal. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Ok, moi aussi je peux, hein, tu sais. Il enchaîne toujours les low kicks. Ah oui. Il encaisse ce low kick. Allez, c'est bon, blocage. Il part ce coup. Oh là là, attention la tête, ce qui m'a fait. Faudrait que je réussisse à le faire, mais j'arrive même pas à le faire, moi, tu vois. Dickman se déplace vers la gauche. Oh là là, il est puissant. Je vous le dis, il est super puissant parce qu'on le voit bien, il arrive à bloquer. C'est autre chose, hein. C'est une autre qualité que les autres. Bien joué. Là, on l'a bien eu. Faudrait que j'arrive quand même à. Low kick qui ne touche pas. Attention, blocage, c'est bien. Blocage. Allez, on se concentre un petit peu. Il envoie un violent low kick. Oh, bien joué. Ça, c'est bien l'attaque. Il ne laisse aucun répit à bien joué la tête. Attention parce que là la jambe elle commence à être un petit peu en rouge. Oui, t'as mal aux mains, regardez, il secoue les bras. Il se dit oh my god. Le coup de genou est bien joué. Et parfaitement placé. Non, dégage. Oh le coup. Allez, back sitting. Tu veux jouer comme ça mon gars, vas-y, top mount. Position dominante grâce à ce balayage. Voilà, tu veux jouer comme ça mon gars, vas-y. Allez, reste tranquille, on va tenter une posture haute. Bien joué, la posture haute, on l'a. C'est bon. Allez, on a un boxeur, je vous rappelle, c'est très bien. Position. Allez, on tente la posture haute, très bien, je passe en posture haute, vas-y. Défends-toi. La tête toujours, on retente la posture haute, très bien, on est remonté. Allez, on a Sam plein de dégâts, il est mal barré. Il est en très mauvaise posture les amis. Il est très bien, on est en position de force. Et voilà, il y est. Et oui. Excellente intervention de l'arbitre qui a su arrêter le combat avant qu'il n'arrive un mauvais coup. Très très bonne décision. C'est parti pour le replay du combat. Du moment où mon boxeur réussit à se mettre en position haute, et en même temps c'est lui qui l'a cherché, hein, c'est la descente qui a cherché justement à venir au sol. Du coup, vu que c'est un spécialiste plutôt du sol plutôt que du combat au point, donc forcément, bah voilà, parfait. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop. Merci à tous, je lève le doigt vers le ciel, toujours sponsorisé par Reebok, qu'on adore. Beau placement de produit, hein. Et indirectement, moi je fais également du placement de produit pour eux. Indirectement. Eh oui, les amis. Allez, victoire par KO technique. C'est très bien. On est toujours au MGM Grand. Grande salle. Et voilà. Magnifique. D'ailleurs, je pense honnêtement, je vais être honnête avec vous. Galax. Oh, stylé le Galax derrière. Je pense honnêtement que ça aurait été bien de faire une progression dans le mode carrière un peu plus, j'ai envie de dire, lente. Ça veut dire commencer vraiment par des petites salles à la noix, un petit peu comme ce qu'on avait dans Fight Night Round 3 en fait. Et après, voilà, faire en sorte qu'on monte, qu'on aille dans des salles de plus en plus intéressantes. Oh, 23 446 fans, oui. Et voilà, maintenant on gagne des points d'évolution. Maintenant on a les points d'évolution. Dégâts carrière, longévité, retraite, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on a une ligne donc, du coup de longévité qu'on peut tenir, très bien. Eh ben écoutez, ça a l'air pas mal, ce mode carrière se présente bien. Progrès. D'accord, donc ça on l'a vu juste avant, je suis bête. On l'a vu juste avant, c'est une petite animation du coup. Carte de combat, voire rediffusion. Ah oui, attends, fais voir si je demande la rediffusion. Comment ça se passe? Recommencer la rediffusion. D'accord, on peut juste voir ça. Juste voir la rediffusion en fait de la fin du combat. D'accord, bah écoutez, on revient au gymnase.
Ah, super! En tout cas, ce mode carrière, il envoie du steak. Alors, je vous l'ai dit dès le premier épisode, effectivement, c'est vrai que j'avais pas touché au premier, donc à UFC EA Sports qui est sorti sur PS4 et Xbox One. En tout cas, je peux vous dire que ce deuxième opus, moi, je l'adore et je trouve que ce jeu est vraiment top. Alors, les aléas du sport, gain de popularité, vous avez remercié votre adversaire à la fin du combat, les gens adorent le fair play, vous avez gagné des fans. Oh, c'est bien! Yes! 70 de moyenne du coup je disais, et on a 27 366 fans. Donc maintenant qu'on a récupéré justement, donc on va déjà premièrement voir les... Ah, la salle où vous vous entraînez à remplacer certains de ces équipements obsolètes, les entraînements debout seront plus efficaces. Ah bah là on va pouvoir profiter des entraînements debout, encore s'améliorer, déjà qu'on est très bon dans le debout, mais alors là, ça va être énorme. Alors on a du quoi, du 67, du jujitsu, bah écoutez, ah du judo, ah tiens, nouveau style, contre Nishimura, eh bah écoutez... On va tenter Nishimura parce que j'aime bien voir un petit peu les différents styles comme je vous disais. Donc attends, ma carrière, est-ce que je peux... Non. C'est quoi que tu... Attends, c'est quoi que tu... Pour voir. La carte de combat a été... D'accord, ok. Je vois. Bah écoutez, j'essaie de regarder. Hein. Statistiques de carrière. D'accord, victoire, 2 KO, KO technique, ok. Et bah pour l'instant, franchement, on est nickel hein, en termes de stats. Je suis content. Ok. Et dans les récompenses aussi, qu'est-ce qu'on avait dans les récompenses? Fight of the Night, total victoire 0-0. Pour l'instant, on n'a pas grand chose. Ok. Pour l'instant, on n'a pas grand chose. On verra par la suite. Ok. Eh bien, écoutez, on va passer à l'entraînement direct. Camp d'entraînement, et ce coup-ci, on va avoir. Ah oui, attendez, non, juste un truc. Mon combattant. Mouvement à tout. C'était à tout ou c'était à tribut? Ah, et ça, est-ce qu'on peut le prendre au fait? Ah ouais, je pense qu'on peut le prendre ça, attends. Constricteur du dos, augmente la vitesse de tentative de soumission, non. Plutôt debout, alors augmente la fenêtre de contre après avoir paré un coup. D'accord. Pendant 3 secondes après un contre, vos coups de pied-jambe. Y'a pas pied-main plutôt? Enfin, main du moins, augmente les chances de frappe au foie. Les étourdissements des équipes KO rapides augmentent pour les frappes utilisant la cage. Augmentation pour les étourdissements des équipes de contre, après une parade réussie. Bah écoutez, je vais prendre le premier. Je pense que je prends honnêtement le premier. Voilà. Niveau 1. Ah, ça demande des points. Voilà, donc les atouts, effectivement, demandent des points. Les atouts et les attributs, si je comprends bien. Ah non. Attends, mais ça a rien à voir. Ah, mais je suis à l'ouest, moi. Ok, non, c'est encore autre chose. Il y a que les atouts. Ah non, il y a les mouvements, il me semble aussi. Attends. Oui, voilà, il y a les mouvements. Donc les coups de pied, les glitches, les takedowns, il faut les acheter. Ok. Ouais, ouais, c'est très, 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 très complexe. Ok. Donc, je disais. Il percute à la tête, ça on en fait pas mal aussi hein. Donc on va se tenter les le jam normal hein. On va se tenter le jam normal. Ok. On va prendre celui-là. Niveau 2, donc endurance, dégâts de base, il fait plus de dégâts du coup. Allez, on va se prendre ça. Donc niveau 2 au niveau de ça. On pourrait même se prendre au niveau 3. On pourrait même se prendre au niveau 3 pour les jabs. Ce serait intéressant. Je prends le niveau 3 aussi, tiens. Voilà, histoire de bien avoir du bon coup de poing. Je peux vous dire qu'on va être redoutable au niveau du coup de poing. Le prochain Mac Tyson. Allez, d'accord. Très bien, maintenant on passe au camp d'entraînement. On est parti, donc un petit pouce bleu, voilà, pour l'entraînement debout. Donc on va faire ça. Je vais augmenter la vitesse des coups de poing ou alors le déplacement. Écoutez, frappe rapide, on va se faire ça. Alors, on va rester en facile, hein. Pas trop me crever. On est parti. Y. Putain, comment on va être de plus en plus rapide. Ça va être énorme. Quand on va être rapide, mais j'espère qu'on sent vraiment la différence in-game dans les combats. Après, je pense que oui, hein, quand même. Je pense qu'on doit quand même bien voir la différence. C'est bien. Bien joué. Donc globalement, alors je vous explique un petit peu, ça peut paraître un peu répétitif hein, ce mode carrière, parce qu'effectivement c'est un jeu de combat, mais après bon, je pense que c'est tout à fait relatif hein, la notion de répétitivité, parce qu'il y a des jeux qui peut-être vous intéressent et donc vous trouvez pas ça répétitif. Moi c'est vrai que je joue, donc je trouve pas que c'est répétitif du tout, mais après, si en vidéo ça vous paraît répétitif, bah ne regardez plus, voilà, mais ça dépend après des gens. Je pense qu'il y en a certains qui trouvent ça un peu chiant, et d'autres pas du tout. Mais en tout cas voilà, sachez que vous faites ce que vous voulez hein, totalement. Ok, alors je vais... On dépasse à combien? Je vais avoir 60 au moins dans la vitesse vitesse coup de pied. Non, non, remarque, on va faire tactique de défense, déplacement, blocage. C'est intéressant aussi. Moyen... Ah non, je vais rester dans le facile alors. J'ai vraiment pas envie de prendre de risque de blessure. Blocage, allez on y va. Go. Allez, blocage, très bien. On est bon pour le blocage pour l'instant. Allez. Très bien, très bien, on a bien bloqué. Vas-y, je bloque en haut maintenant, je bloque en haut. Je bloque en haut, je bloque en haut, vas-y. Frappe, frappe. Très bien. Vas-y, shoot encore, shoot encore. J'encaisse pas, mais... Oh, d'accord, j'ai perdu 20 points.
T'as remarqué, j'ai perdu 20 points parce que j'ai pas bloqué en haut. C'est fou ça. Ah là, j'ai gagné que dalle. J'ai déjà fait beaucoup plus. Hein. J'ai eu un C. Ouais, c'était très mauvais là. Très, très, très mauvais. En même temps, on peut pas être bon partout. On peut pas tout réussir tout le temps. Hein. Soyez gentils. Ok. Bah écoutez, on va se le refaire, je pense. Donc, pas d'usure, pas de blessure. Très bien. Ce qu'on va faire, on va augmenter puissance des jambes. Sac lourd pied, on l'a pas encore fait, je crois. Effectivement, donc on va faire ça. Alors, lisons un petit peu le truc. Frappez les zones indiquées sur le sac avec vos jambes et vos genoux. Pour toucher la partie supérieure, modifiez vos frappes avec le stick. Pour toucher la partie inférieure, modifiez. Attends, pour supérieure, modifiez vos frappes. D'accord. Vos frappes en maintenant LT. D'accord, donc pour l'inférieur, c'est avec LT. Ok. Oh la vache, c'est joli. Ah non, c'est les jambes, je suis con. Attends. Non, les jambes, on a dit. Mais non, attends. Ah d'accord, j'ai compris les gars, j'ai compris. Excusez-moi, je me suis trompé au début. Excusez-moi, je croyais que c'était du coup, j'avais pas capté. Vraiment, hein. C'est nul. J'ai enfin compris. Bon, j'ai plus d'endurance là, je suis mort de chez mort. Ah d'accord, j'ai pas gardé endurance, c'est pour ça. Ok, j'ai envie de réessayer quand même parce que j'avais mal commencé. Attends. Ouais, mais j'ai plus d'énergie au bout d'un moment, attends. Bien envoyé, super. Ok, faut être régulier en fait. Bon, c'est pas trop mal, on a eu c'est... Ouais, c'est moins évident, c'est parce que j'ai l'impression qu'il faut garder l'endurance, avoir un rythme assez linéaire quand même, pour pas se fatiguer. C'est pas évident, et pourtant on était en facile, hein. Tu vois, on a augmenté à 59, c'est très bien. Ok, bah écoutez, on passe au combat, pas de blessure, pas d'usure, on est pas mal. Et je pense que là, au moins, on doit être à 71, un truc comme ça, hein. Oui, on doit bien être à 71 de moyenne, hein. Ouais. Voyons voir, donc attention, Galax versus... Alors, Nishimura versus Galax, ça veut dire que là, on est en extérieur. Et je sais pas si du coup le match d'avant on était pas... Alors non, on est toujours 70, ok. 79 debout, 70 en clinch et au sol 57. Ok, bah toujours à l'extérieur national. On est bon, alors attendez, couleur de kit. Ah non d'accord, ça a rien à voir. On y va, let's go les enfants. Et après cet épisode, je vous assure que je vais, je pense, modifier un petit peu les mouvements de mon perso, etc. pour varier un petit peu dans ce mode, car rien dans cette série vidéo, tout simplement. Voilà, histoire de faire un petit peu de variété. Il n'y a pas de prise dans le mode chaos si vous voulez seulement vous battre contre les cogneurs. Bah oui, je me doute. Et c'est parti pour un combat dans la catégorie heavyweight entre The Eraser et Magic Man. C'est reparti pour ce combat incroyable contre Nishimura, mesdames et messieurs. L'entrée toujours de Galaxou. Et l'entrée bien sûr de l'athlète Nishimura que l'on ne verra pas parce que j'ai passé. C'est un peu trop long après. Allez, 102 kg contre 120 kg, faudra que je baisse, hein, parce que allonge 1m83, pareil. Il est légèrement plus âgé, on est parti dans le combat. C'est parti, Magic Man, on y va. Allez. C'est moi qui ai mis les premiers points, et oui mon gars. Bon, du coup là en plus je fais plus de dégâts, mon jab fait plus de dégâts, c'est intéressant. Je me suis pas protégé. Et bien joué, bien joué. Allez, très bien, très bien. On commence bien. Chaque coup est parfaitement calculé. Coup droit bien placé. Très bien, très bien. On lui touche un petit peu le corps. Oh là là, le corps en bas en haut. Quel boxeur. Il le touche avec ce jab. Quel boxeur les gars, quel boxeur. Il le rate avec cette frappe. Il martèle son adversaire. Oh là là, je le martèle le corps, je lui martèle le corps. Bon lui aussi hein. Ah, il m'a touché la tête. Encore un crochet qui touche. Il enchaîne les frappes au corps. OK, frappe au corps, il est bien. Il se sent pas bien, le corps est pas bien, le corps de mon adversaire est pas bien du tout. Regardez-moi ça, regardez-moi un petit peu, vous avez la silhouette du coup pour ceux qui connaissent pas trop le jeu. Je vous rappelle que vous avez la silhouette justement du corps de l'adversaire et du mien en haut en fait des écrans, juste en dessous. Et là je peux vous dire que son corps est pas bien du tout, on va tenter une interruption parce que là c'est lui qui est mal, c'est pas moi. D'accord, tu veux jouer comme ça. Allez, half guard. Allez, full guard. On tente la foule, vas-y. Le petit relèvement il m'empêche back sitting. Allez, on tente les trucs hein. Allez, on va essayer de passer au-dessus si possible. Top mount. Loupé. Allez. C'est bien, on progresse. Allez, attention. Je veux me relever. Parce que là on est chaud là.
Ah, du coup, là, il s'est remis un petit peu de ses dégâts. On va retenter du coucou à la tête. Oh, il est sonné, on l'a sonné avec le coup. On l'a sonné, et voilà. Allez, allez. Il le touche. Allez, c'est parti. Allez. Un superbe KO en ground and pound. Tous ces coups au sol n'étaient pas destinés à marquer des points, mais bien à mettre fin au combat. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. Oh là là, mais quelle action encore une fois, quelle action les enfants. Match encore une fois très vite expédié. Il y a un manque de challenge flagrant. Bruce Buffer va annoncer la décision. Allez, on sait qu'ils ont gagné, c'est très bien. On sait qui c'est qui a gagné, voyons. Allez, on le sait. Alors, je vous passe un petit peu les scènes. Je vous ai laissé deux combats avec, je pense, les deux entrées intégrales ou quasi intégrales. Donc, pas besoin de vous en remontrer, vous savez peu ce que c'est. Donc, on gagne effectivement vraiment, vraiment beaucoup de réputation, des points d'évolution. Pour moi, bah, c'est parfait. Écoutez, voyons voir au niveau de la retraite. On est encore très très loin. Bah, évidemment, on est large, c'est bon. On n'a pas encore fini le jeu. Faut pas déconner. Ok, écoutez, c'est génial. Encore une fois, ce jeu est une folie. Alors, c'est vrai que j'ai hâte de jouer un petit peu avec des personnes très connues. Style, j'ai vu qu'il y avait Bruce Lee dans le jeu. Qu'il y avait Bruce Lee, Mike Tyson, faire des trucs comme ça, des matchs un petit peu de légende, ça peut être génial. Franchement, hein, des matchs légendaires, évidemment, vous n'aurez jamais vu Bruce Lee avec Mike Tyson, mais on se comprend, voilà. Ok, voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là, voilà, pour cette vidéo sur ce UFC 2, épisode numéro 3. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous dis portez-vous bien, merci à tous encore une fois de suivre cette série, 3 victoires, 0 défaite pour l'instant, tout va bien. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Allez, c'est tout le monde. We'll be right back.